let us dream together. C'est avec ces mots que Thierry de Montbrial a déclaré ouverte ce matin la 15e édition de la World Policy Conference. Pendant 3 jours, chefs d'État, chercheurs, entreprises et représentants religieux se retrouvent à Abu Dhabi pour débattre des principaux enjeux mondiaux. Celui de la pandémie, nous voyons bien que le réchauffement climatique n'est plus une question abstraite. La situation s'est considérablement aggravée, devient de plus en plus sensible. Et enfin, troisièmement, la guerre d'Ukraine, non pas en Ukraine, parce que ça dépasse largement le contexte de l'Ukraine, est en train d'introduire aussi une nouvelle division qui aura d'ores et déjà, on est sûr qu'elle aura d'immenses conséquences. Une division qui ne doit pas empêcher les 250 convives venus de tous les continents d'entretenir à tout prix le dialogue, y compris en temps de guerre. J'ai envie de dire surtout en période de guerre. Vous savez, si on parle d'ouverture, je parle de monde raisonnablement ouvert, l'ouverture, ça commence par la parole, mais la parole est inséparable de l'écoute. Si on refuse cette notion d'écoute, si on refuse cette notion de diplomatie, ça veut dire qu'on va aux extrêmes. Et malheureusement, l'histoire du monde montre que quand deux parties en conflit sont absolument convaincues qu'ils ont raison absolument et qu'ils doivent aller aux extrêmes, ça finit généralement très mal. Au programme de cette première journée, les bouleversements de l'ordre économique international liés au conflit ukrainien, à la crise énergétique ou plus largement au défi du changement climatique. Toutes les conférences sont à retrouver sur le site et les réseaux sociaux de la World Policy Conference.